Yo, j'arrive dans 30 secondes. Faut juste que je fasse un truc avant, mais je le lance vite fait, j'arrive. Yo, j'arrive dans 30 secondes. Faut juste. Et hop, me voilà. Ouais. Attends. Le portable est là-bas. Hop là. J'ai 2-3 trucs à faire encore. Dans ma deuxième aventure. Après une année de business intense, j'ai imaginé ce petit cours de combat pour éviter de rouiller, améliorer mes techniques et en apprendre de nouvelles. Pour me faire grimper, appuyez sur la commande pour avancer et maintenez la commande d'action enfoncée. Attends, j'ai reçu un mail d'un prof là, 30 secondes. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je sais, mais attends. Faut que je fasse un truc avant. Allez, c'est bon. C'est fait.
Bon, ça y est, en vacances? C'est mou, l'alarme ne s'est pas déclenchée. Ça y est, ça c'est le niveau évaluation. A du mal avec ce niveau. Ça va le faire. T'imagines, il ne reste que 5 niveaux, que 7 niveaux à faire. 7. Non, 6 niveaux à faire. Ah ouais, avec le niveau bonus. Ouais. Ah non, c'est ça, c'est pas.
prochaine fois, je streamerai bien Tomb Raider 1, moi. Par contre, ça sera la version sans le son, sans les musiques, quoi. C'est comme si sur PC, j'ai pas les musiques. Je sais pas pourquoi je fais ça. Tu vois comment ils sont longs à tuer, c'est abusé. Le plus compliqué dans RX Tech, c'est pas les wagons. C'est pas celui-là, c'est le plus énervant. Enfin, non, même pas énervant, mais le plus. Attends, juste 30 secondes. Le plus. On va dire. Plus relou. C'est.
Quand tu dois faire tomber le genre de sous-marin, il faut que tu ailles de. Faut que tu remontes dans l'eau glacée. Et ça, c'est le moment le plus dur de Eric Steck. Bah non, t'es plus très loin, 7 niveaux, t'as fait le plus dur. Oh non, oh le boulet. Ah ça c'est rageant ça. Qu'est-ce qu'il me tire dessus comme ça? Ils sont au-dessus là. Aïe aïe aïe. Putain, il me saoule en plus avec là. De quoi c'est quoi le plus dur? Allez, crève! Putain! Mec, il ne te lâche pas! Lui, y'a rien, ok. Bah, t'as fait des gros niveaux déjà. Magnifique! J'ai même pas sauvegardé en plus. Purée. Attends. Thank you.
sûr que la porte elle va se fermer. Ça va être magnifique. Non, le plus dur c'est la gorge de Madoubou. Allez. Tu vas y arriver, t'inquiète pas. Puis il faut une première fois, toi. La Tomb Raider 4, moi je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et voilà. Bien, allez, on est reparti.
J'adore faire ça. Tout à l'heure, on va essayer de ne pas mourir. Ce serait pas mal. Le mec s'en va. Je crois que lui, je me suis jamais fait toucher par ce gars. Ah, j'ai oublié.
Ouais, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Après. Attends. Je vais sauver, mais surtout, je vais pas tomber. Ils sont tous figés pour l'instant. Ils sont sages. Allez. Bon, lui, il va pas me saouler. Il est où? Ouais, c'est ça. Et il y a le deuxième qui est là, c'est parfait. Pour l'instant, tout se passe, j'allais dire, pour le mieux. J'adore quand je peux tuer les ennemis comme ça. Mais en fait les deux arrivent quand même, je crois que c'était. Il y en a un qui est arrivé avant. Je le connais, je crois pas. Et là ça va me faire chier là. Ça va être comme ça. Voilà. Allez, on remonte et chemin inverse.
Les décalages, c'est-à-dire ça lag? On va voir si le speeder il marche là ici. Ah bah là il n'a pas marché. On va faire la voie classique. Ah non. Ah, ça va être léger. Ah, purée!
Et j'en ai marre. Je fais que des conneries. Voilà. Tranquille. Les murs, ça ne marche pas avec moi. Je regarde si mon prof n'a pas encore envoyé un mail. Oh, je veux mourir, c'est pas vrai. Bon, alors attends, on va arrêter Tomb Raider 2, j'ai une idée. Je sais pas si ça va marcher. Attends 30 secondes. On va essayer Tomb Raider 4. Alors, papa. Est-ce que ça va marcher Tomb Raider 4? Sinon, on va faire le 1, puis c'est tout. Est-ce que ça va marcher? On va essayer de faire le niveau, le temple de Semerket. Salut Jorxia. Alors, avec ou sans glitch, c'était sans glitch, bien sûr. Alors attends, faut que je regarde un truc, sinon je recommencerai Tomb Raider 2. Est-ce que ça marche? Non, je peux pas. Donc ce sera Tomb Raider 2. Non, le 1, faut des manips de fou pour le faire fonctionner. J'ai pas le temps. Allez, on recommence. Alors, bienvenue, Jorxia.
J'aimerais bien que ça se lance, merci. Effectivement, si je suis pas prêt, allez, hop, c'est parti. Jorgzia, pourquoi avec glitch en fait? J'utilise un seul glitch, c'est alors j'ai que Tomb Raider 4, la version Steam. Celle-là, c'est une version téléchargée, je crois. Parce que mon CD passe plus. Passe plus du tout. Mais j'ai fait ce Tomb Raider 2 là juste au harpon. Avant de faire ce challenge là avec les pistolets. Le 1 en taux, je le ferai, mais faut que je fasse les manips avant pour le faire fonctionner en petit écran. Ça marchait. Et là, Jorgzia, comme j'ai déjà fini le jeu plusieurs fois, et là c'est des versions où les jeux sont terminés, où le jeu est terminé, et bien les ennemis sont plus résistants. Voilà tout. Alors, faut que je trouve le moyen de le faire streamer, mais si j'y arrive, effectivement, j'aimerais bien streamer du Tomb Raider 3, qui est mon Tomb Raider préféré. Anto le sait très bien. Mais faut que je trouve le moyen de le faire fonctionner en fenêtré, en fait. Car comme j'utilise XSplit fenêtré, et je peux jouer qu'en fenêtré, je ne sais pas comment faire fonctionner un jeu plein écran, malheureusement. Ok, salut Nicole. Hi Nicole. En tout cas, merci de commenter. Thanks for commentary, Nicole. Et t'y arrives pas non plus, Georgia? Je vais sauvegarder quand même. Ouh lolo. Putain. On recommence. D'accord, bah écoute, mais moi j'ai cherché je sais pas combien de temps sur internet en fait. Qui disait que c'était possible, mais bon. Après. Là j'ai vu qu'il y en a qui arrivaient, donc pourquoi pas.
Je sais pas du tout comment ça se passe. Oh là là là. Cette partie-là, avec les chiens qui sont quasi impossibles à tuer, j'ai enregistré en plus au mauvais endroit. Mais faut... Ouais, en fait, faut trouver... Ah ouais, quand même. Ok, bon. Attends, je te réponds après, Jorgzé, j'aimerais bien se passer ce passage. Hop, on va enregistrer une nouvelle fois. Ok, pas là. Super. Ok, et lui il est là-bas. Ok, Nicole 88. Would you like I speak in English or not? Donc, je sais même pas s'il est encore là. Si elle est encore là. Donc ouais, 5 logiciels, ça m'étonne pas parce que c'est blindé de toute façon. De logiciels non, pour forcer. Alors j'ai réussi moi à forcer genre Harry Potter et trucs comme ça, mais c'est vrai que Tomb Raider 3 je n'y arrive pas et j'aimerais bien le streamer parce que ben moi c'est mon Tomb Raider préféré, donc j'aimerais bien le faire face aux gens. Mais ok, just one more sentence. You prepare an exam in French or not? In French or in English? Allez, là je vais essayer de terminer jusqu'au pont. Merci. Je vais essayer d'aller jusqu'au niveau le pont, récupérer le Seraph et je m'arrêterai là. Parce que je sais pas si j'aurai trop le temps non plus. Quelle heure il est? Il est 17h. Ouais, bon, ça devrait le faire. Ouais, dans ce cas-là, je veux bien le faire. Ah, j'ai peut-être une solution pour Tomb Raider 3. J'ai peut-être une solution. Georgia, j'ai peut-être une solution pour Tomb Raider 3 pour le streamer. Anto, tu viens de me donner la solution, je crois. Ah ouais, bah t'as essayé aussi, d'accord. Ouais, et puis ça fige le jeu, je crois. Je sais plus, ils avaient un truc comme ça. Ah, je crois que je suis mal là.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah je vais essayer. Hein. Il y a un émulateur qui fonctionne sur PC. Et que tu peux jouer en fenêtré, en fait. Donc je vais essayer avec la version PS1. Ça marche. Le tour, j'aime bien. Ouais. Et bon, Tomb Raider 3, je l'ai fait sans sauvegarde. Mais bon, là en live, je sais pas si je vais arriver à le faire sans sauvegarde. Enfin, sans sauvegarde durant le niveau, bien sûr. Attention de ne pas. Je voudrais pas. Jouer genre le gars n'a pas du tout sauvegardé pendant le jeu. Et ouais, à part à part un niveau, c'est vrai aussi. C'était pour lui aussi. Il va me saouler, lui. Pourquoi là, c'est pas bien? Ah ouais. Ah ouais, je suis désolé, c'est ma config et j'ai un vieux PC donc je pourrais pas. Moi j'ai torche illimitée, je vais les utiliser. Attends, oula, ça bug, ça bug. C'est bon. Sous, voilà. Non, non, pas aujourd'hui. Non, non. Déjà, c'est un miracle que j'ai réussi à finir mon mémoire aujourd'hui. Chaque chose en son temps. La semaine prochaine, je pense. Au moment de mes rêves. Ah ouais. Ouais, bah je ferai gaffe alors. Ça marche. Merci du conseil. Par contre, je ne vois plus du tout où est le secret argent. Enfin, le celui de pierre.
J'espère que j'ai pas fait de conneries. Je l'ai pas oublié. Ah bah si, bah je l'ai déjà, je suis bête. Ah, pardon, pardon. Je vais l'attendre. Ouais, donc TR3, je vais télécharger tout ça et puis je vais essayer de m'arranger pour le streamer. Patience, mon cher Robin, la patience. Oh, j'avais oublié ce deuxième chenapan. Aïe, aïe, aïe. Lui que je veux. Ah, je suis pas passé. Ah ouais, toi t'es pas là la semaine prochaine. Bah, tu m'envoies un tweet quand tu reviens et je vais essayer de faire ça. Derrière, il est là. Purée. Bah, je l'ai fait au harpon hein, la semaine dernière. Non, je l'avais tué, je suis sûr. Je sais pas. Ah, lui il tire en arrière sans problème. Purée, c'est pas vrai. Déjà au harpon, ça a été la galère avec lui, mais alors là. Ah voilà, c'était pas compliqué. Je sais pas, j'avais mis combien de temps combien de temps j'avais mis. Alors, au harpon ou quand j'avais fait. Alors, je vais te dire un truc. C'est impossible au harpon. Il y a un niveau, c'est impossible de le finir juste au harpon. J'ai dû utiliser une seule fois les pistolets. Essaye de deviner lequel.
Ah, toi, t'étais là, t'as pas le droit de le dire. Rassemblement des preuves. Attends quand je serai dans le monastère, tu vois. Fait beaucoup, effectivement. Alors, c'était quand tu rencontres les motoneiges. Et là, tu ne peux pas. C'est impossible de terminer le niveau au harpon. Parce que ils sont tout simplement inatteignables. Inatteignables. Donc j'ai dû utiliser les pistolets pour en tuer. Non, et Nomads sera pas possible. Je veux bien essayer un Tomb Raider Nolos Nomads, mais j'ai le droit à toutes les armes. Et je recommence à zéro. C'est-à-dire que les ennemis sont. Ils sont pas. Ils sont pas améliorés. Ça, je veux bien essayer. Bien sûr. Je n'ai pas de préférence. Arrange-toi pour le faire cacher un peu des deux. Ok, Marco. Je me réjouis de vous avoir à bord. Qu'est-ce que vous cherchez? Voyons. Est-ce que je vous transperce l'estomac? Allons, dites-moi. Où faut-il chercher dans le monastère? Honorable frère! Non, non, non. Mais là, en fait, j'ai les. Là, t'as le harpon, mais j'ai les munitions illimitées. J'ai les munitions illimitées parce que j'ai terminé le jeu une fois. Enfin, même plus qu'une fois de ce fait, parce que vu le nombre de sauvegardes qu'il y a dessus. Bon, la cinématique, vous n'allez pas la voir. Et je vais vous prouver que les ennemis sont plus robustes. Vous allez voir. Donc là, c'est normal, il n'y a pas la cinématique. Voilà. Donc il faut 8 harpons pour tuer un requin. Vous allez voir, je vais relancer juste après. Donc pour prouver que c'est ils sont plus robustes. Donc 8 harpons pour tuer un requin. Donc vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 harpons. C'est 10 de plus. Et normalement, il faut 8 harpons pour tuer un requin. Donc, ils sont plus robustes. Respire un peu. Il m'a suivi tout de suite, lui, ou pas? Eh ben oui. Il allait vite, hein.
Mais déjà là. Ils sont plus robustes. Comme leur IA, c'est toujours de la merde. De toute façon. Merde. Enfin, leur IA, c'est de la merde. Non. Comparé à d'autres jeux. Enfin, à l'époque, c'était déjà magnifique. On va pas s'en plaindre. Non, c'est ça. Super. Par contre, lui me fait mal. Ouh. Heureusement qu'elle va vite pouvoir masser les objets là. Non, bah non, je peux pas. Ce sous-marin, je pourrais pas. En tout cas. Oh non.
Non, malheureusement, je ne suis pas Badass Games ou Morlock. Je ne fais pas des all kill run. Je pourrais, mais... Sur mon Harpoon Only, des fois, je fuyais plutôt que je ne combattais, ça c'est sûr. Et merde. Ça va. Je tirais dans le vent en fait. Ah bah voilà, il spawnait, super. Ouais, très compliqué, mais bon. Après, c'est un challenge que je peux me fixer aussi, hein. Façon, c'est un peu la spécialité de Tomb Raider, ça, hein. Tuer tout ce qui est Annie, tout ce qui est tout ce qui est vivant, quoi. Bon, après, il y a des choses plus évidentes à tuer, genre là, après, voilà. Quand on va voir les araignées géantes, etc. Effectivement, là. Je serais plus tenté de les tuer, mais... Bon, après, ils me font rire, hein. Elle se fait attaquer quand même. Hein. Donc, si elle se fait attaquer... J'aime quand il me fait des sons comme ça, sans que je demande rien à personne. Chaque fois, je me cours en fait. Oui, j'ai déjà fait, ouais. J'ai déjà fini, oui. Je l'ai pas encore mis sur ma chaîne YouTube, parce que là, je suis au 4. Chaque chose en son temps. Bon, après, on peut dire tout ce qu'on veut sur ce Tomb Raider là. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il est raté d'un point de vue mouvement, etc. Mais je trouve dans le scénario qu'il est très très bon. Après, ce n'est bien évidemment que mon avis.
Enfin bon, allez. Je fais que de la merde. Alors de tous les Tomb Raider. Ah, il y a des bas quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Ouais, c'est vrai que là-dessus, je peux pas trop te contredire, mais. Niveau scénario, il y en a. Le 2 et le 3, ils sont quand même bien. Bien ficelés, quoi. Le 4 est très bien aussi. Niveau scénario. Par contre, le 5. Le 5, on sent qu'il a été fait à la va-vite quand même, celui-là, parce que... Yo. Non, c'est l'homme poisson qui m'a tué. Pas mal. Putain, je veux pas utiliser de. Et ce Tomb Raider, moi je trouve. Ah oui, salut CPMAT, j'avais pas vu que t'avais dit bonjour. Bonjour. Continue l'aventure. Ouais, je trouve ce Tomb Raider niveau scénario très bon. Après, malheureusement, le scénario est bien, mais il y a beaucoup de défauts aussi. Ouais, pourtant j'ai un bon flux là. Alors c'est possible parce que enfin, après ça peut être chez moi aussi. Hein. Donc thank you.
Allez. Celui-là, c'est fait. Par contre, attends, le secret de Jade, je vois où il est, mais secret en or là. Faudrait que je fasse attention. Je sais pas où il est. Alors, j'en vais regarder ça après. De toute façon. Ça va mieux les problèmes ou c'est toujours pareil? Parce qu'après c'est peut-être chez moi. Hein. S'il y en a un qui télécharge ou quoi. Non, je télécharge pas. Bon. Bon, Georgia, tu voulais voir des glitches, et ben en voilà un. Alors, faut bien que je le fasse déjà. Voilà. Commence bien. On aborde tuer ceux qui peuvent faire mal. Bon. Lui, il n'y a rien. Lui, il y a des torches. Allez, on avance. Ah si, c'est bon, je vois, il est le... C'est bon, c'est bon. Ouais, après, ok. Mais c'est gentil déjà d'être là et de commenter, ça fait super plaisir encore une fois.
Allez. Hop, on va s'enfoncer dans cette épave. Je sais plus si ça ouvre quelque chose ce truc. À chaque fois, je ne sais plus à ce moment-là. Je crois qu'en plus, il n'y a rien à l'intérieur. Voilà, merci. Ah ouais, peut-être, je sais pas du tout. Je suis désolé. Tiens, dites-moi, Jorxia et Nicole, vous avez... Et toi aussi, CPT Math? Comment vous êtes tombé sur mon stream la première fois? Vous avez juste tapé Tomb Raider 2? Et toi, Anto, comment tu m'as découvert sur YouTube d'ailleurs? Parce que je suis loin d'être le meilleur joueur de Tomb Raider de YouTube. Ah, mais c'est gentil, c'est sympa. Ok, mais c'est bon à savoir.
Allez hop, on est parti. Doucement, doucement. Ouh. J'étais pas bien là. Ah, j'ai oublié le... Oh mince. On va enregistrer. Ça, si je tombe, c'est bon. Oh oui, c'est vrai qu'il y a... Oh là là!
Non, 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 non. Ouais. Ouais. C'est ça. On a de la chance, hein. Mais je le streamerai Tomb Raider 3 avec, avec l'émulateur PS3. J'y arriverai, j'y arriverai. Ouais, c'est surtout, ouais. C'est clair. C'est des harpons. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que je fous? Là, c'est la mort. Voilà, j'ai les trois. Allez, on est parti. Allez, à toi maintenant. Viens là.
Oh non. Oh là là, je suis vraiment emboulé ce soir. Enfin, fin d'après-midi. Esquiver. Oh, je suis trop court. Continue à te marcher en avant, allez. Un petit glitch un peu sympa, George Jerk ici. Non, toi qui veux voir des glitches. Moi je veux que ça soit classe. Voilà. Regroupement. Aïe, elle est là. Je croyais qu'elle était un peu plus loin. Hop, s'il y en a qui veulent, il y a des balles de Magnum ici.
Alors, t'arrives à faire un saut latéral ou arrière dans le couloir où tu utilises la clé. Non, je vais utiliser la clé, mais là, apparemment, Non, je vois pas de quoi tu parles. Apparemment, là, il y aurait un glitch, ouais. D'accord. Je vois pas ce que tu veux dire, Jorxia. Je vois pas du tout. À quel moment? On va espérer que ça marche, Mathias. Voilà. Bonjour, c'est PTMAT. Donc je vois pas du tout de quoi tu parles en fait, Jorxia. Ouais. Ouais, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Bon, super. 31 minutes pour un niveau, quoi. Et celle qui voulait que je fasse ça. Celle qui voulait que je fasse ça, elle est même pas là en plus. Lamentable. Non, on rigole, ça me peau, bien sûr. Ouais, tu voulais en fait, je vois, je crois ce que tu veux dire, Jerkset, tu voulais que je passe en fait à travers. Ouais, tu passes à travers, de ce fait. Ouais, pour l'instant, tout est réussi. Ah ouais, je sais pas sur la mine, je sais pas du tout. Mais allez, mourez! J'aime bien ceux avec la batte de baseball, ils font un bruit de clé à molette, ce qui est assez amusant. Ouais, pour l'instant, tout est bon. Parce qu'on verra les stats à la fin. Hein. Et pour l'instant, tous les secrets sont ramassés. Donc celui-là, je vois où sont les autres aussi. Et pour le niveau d'après aussi. Donc comme je m'arrête au niveau du pont, donc le niveau après, sera parfait.
Alors, j'ai jamais compris pourquoi fallait couper les les flammes, parce que de toute façon, on revient plus dans ce niveau. Enfin, dans cette partie avant qu'il y ait de l'eau. Alors, j'ai jamais compris pourquoi il fallait couper. Ouais. Attends, sur le niveau. Papa, le secret qui te refait tout faire. Alors attends. Attends, il y en a un dans l'eau. Il y en a un. Ah ouais, ça doit être celui de Jade dont tu parles. Par contre, attends, celui d'or. Ah non, c'est bon, je vois où ils sont. T'en as là, t'en as un là, t'en as un sous l'eau. Et t'en as un bien caché, super bien caché d'ailleurs. Juste avant de finir le niveau notamment. Oh! Ouais, qui est dans les pics, tout ça. Ouais. Je vois lequel tu parles. Oh non, mais c'est pas vrai, je fais que des conneries aujourd'hui. Que des conneries. Ah, je vais devoir prendre une trousse de soins parce que je fais de la merde. J'en ai moins besoin que si c'était un harpon only quand même, mais. J'en ai besoin. Notamment pour les prochains niveaux. Bon, pour ceux qui voudraient finir le jeu avec toutes les munitions, il y a des balles de fusil à pompe derrière ce bloc. Mais pas derrière celui-là. Non, pas du tout. Elles sont. Moi, je peux les voir, mais pas vous. Donc, moi, elles sont tout petit écran. Mais en fait, à l'image, c'est un écran noir. Voilà. Donc, je sais pas expliquer ça non plus. Mais... Voilà. Toi, ça marche pas bien non plus? Donc là, je vais me permettre une sauvegarde.
parce que lui, il me fait chier. Il m'a pas touché, ça va. Ah ouais, non, tu vois, moi, c'est pas du tout. Oh là 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 là. Ouais, bah ouais, pareil, ouais. Moi, c'est exactement la même chose. C'est là. Ma grimpe. Enfin. Non, moi je suis pas obligé de les skipper, mais en fait à l'écran on voit rien quoi, c'est juste ça. Là j'étais mort si j'avais pas pris ma trousse de soins. Ouais, ça c'est vrai, énormément de monde. Hein. J'ai jamais fait gaffe, mais ouais. En fait. Ils sont résistants maintenant. Hop. C'est bon. C'est récupéré. Pour l'instant, objectif atteint. Monsieur CPT Mat. Non mais ils sont deux au fusil à pompe, c'est pas du jeu. Puis y en a pas un qui donne les trousses de soins, bien sûr. Ouais, ça c'est la sonorité en fait du niveau.
vais devoir tous les retuer. Là, j'utilise pas une trousse de soins. Je vais tourner autour. Allez hop. Oh, encore. Voilà. J'aimerais bien vous montrer un truc, mais je sais pas si ça va marcher. Ah ouais, ça a marché. Hop, là j'ai skippé le niveau. J'ai skippé le niveau. Hop, et là on voit rien. Et là c'est la, c'est la gangrène. Là c'est. Voilà. Merci, Jock. Dernier niveau pour aujourd'hui. Alors, speedrun n'est pas évident celui-là. Dans la gueule, super. Ah, ça va, j'ai pas été touché. Et oui, le niveau. C'est un niveau que j'aime bien celui-là pourtant. Ce que j'aime pas, c'est les lanceurs de flammes, c'est tout. Qui m'ont donné. Du fil à retordre dans mon let's play. Bon, je voudrais pas faire de la pub Jorxia, mais dans ce cas-là, va avoir la mienne. Je regarderai après. Attends, je vais juste faire pause. Hop. Comme ça, je le lance. Tu auras une vue supplémentaire. Ah ouais, ouais, ouais. Hop, et voilà. Et je m'abonnerai après. En fait, je sais même pas pourquoi je prends la clé. J'en aurais peut-être même pas besoin. Oh si, je vais quand même prendre le chemin classique, on va dire. J'ai horreur de pousser ces blocs à chaque fois. Horreur, horreur, horreur.
Ça fait bizarre de repasser devant le chemin classique. Ah, la précision, Robin, la précision. Ah. Moi, je voulais te poser une question, toi. Comment tu m'as trouvé sur YouTube d'ailleurs? Parce que je fais pas partie des meilleurs youtubeurs. De Tomb Raider, loin de là. Donc comment t'es tombé sur mes vidéos? De quoi, bienvenue au club. Ah ouais, c'est pour ouais, pour Anto, pour les problèmes de connexion. Pardon. Ah ouais, ok, d'accord. Ça marche. Oui, c'est gentil, d'accord, mais après, tu vois, enfin, c'est pas comme si j'étais le premier à faire des vidéos sur Tomb Raider, tu vois. Donc, c'est super gentil, hein. Mais bon, après, faut être aussi réaliste. Ou quand tu regardes Badass Games, par exemple, je pense qu'ils maîtrisent beaucoup, beaucoup plus que moi les Tomb Raider, quoi. Même Morlock, enfin, tu sais, je sais qu'Anto Croft il suit Morlock. Quand tu vois Morlock, ce qu'il intègre dans sa vidéo, toutes les références culturelles, voilà, moi je ne fais que jouer, quelque part. Ou Italian 99, lui il commente pas, mais lui il a fait tous les Tomb Raider, bah voilà quoi. Mais bon, ça fait plaisir qu'il y en a qui regardent mes vidéos. Moi, ça me fait bien sûr, bien évidemment, plaisir. Puis ça faisait super longtemps que je voulais le faire. Bonjour Elysia. Oui, bonsoir. Bon, c'est dommage, t'arrives en fin de stream là. Non, merde. C'est pas par là d'abord. Là, c'est le dernier niveau que je fais. Je suis désolé. T'es là, là, je suis en train de voir. On est 9 sur le 8 ou 9. Non, 8, là, c'est descendu 8. C'était 9 tout à l'heure. Mais super, hein, merci beaucoup de commenter tout ça. Ah, d'accord. Mais c'est vachement bien. C'est gentil, merci.
Ouais, c'est sûr. Comme ça, tout le monde peut parler. Parce qu'après, en plus, c'est vrai que quand on est beaucoup sur un live, par exemple, le streamer ne voit pas forcément tous les commentaires. Bah, c'est gentil, merci beaucoup, Elysia. Normalement, le bateau devrait couler. C'est clair. Tu vois, c'est comme les soirées. Moi, je préfère les soirées en petit comité parce que tout le monde peut discuter avec tout le monde. Bon, une grosse soirée de temps en temps, je dis pas non, mais. Un petit comité, c'est très bien aussi. Est-ce qu'il a spawné le requin? Mince. Et ne parle pas forcément avec ses viewers, oui. Exactement. Mais c'est un truc, tu vois, enfin, moi je préfère. Comme ça, qu'on est tous la même, parce que là, c'est vraiment, on a tous le même, un peu le même hobby, quoi, c'est Tomb Raider. Donc, bon, je trouve sympa qu'on puisse tous discuter de. Oui, alors que c'est l'essentiel. Mais je trouve sympa qu'on puisse tous discuter de la même chose. Voilà, que bah, par exemple, je sais pas, bah, moi j'ai eu ça la dernière fois, voilà, j'ai réussi à finir Tomb Raider comme ça, enfin, peut-être vachement sympa quoi. Puis quand tu regardes, non, elle est une grosse streamer par exemple, c'est un peu plus compliqué pour discuter avec tout le monde. Bah, c'est aussi pour montrer que tu sais jouer aussi, mais bon. Ah, il y en a, c'est comme ça, je suis sûr. Alors lui il sort de nulle part. Fiche. C'est la piscine au-dessus là. Donc j'ai fait spawner tout le monde là. Ouais, pour ça il y a YouTube hein, de toute façon, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que je pourrais. Alors. Là, il y en a un qui est monté, carrément. Ouais, ce corps design, c'est mieux. Je vais essayer Tomb Raider 3 la prochaine fois. Je vais finir celui-là déjà. Je vais finir mon challenge et puis on va essayer Tomb Raider 3. Et pas pour tout le monde, c'est peut-être. Ouais, mais c'est mon Tomb Raider préféré. Donc, j'ai réussi Nomads Nolods. Enfin, non, pas vraiment Nomads Nolods, mais. Parce qu'il y a un niveau, je pouvais pas. C'était pas possible, c'était le. La vallée perdue de Tinos. Impossible. Bon, lui va m'embêter, je le sens. Il est là-bas. Ouais. Mais c'est. Pour moi, c'est tout. C'est le gameplay, le scénario, tout. Les nouveautés.
C'est lequel le tien? C'est le Tomb Raider préféré d'Anthony aussi, Anto Croft. Anto. Salut Jorxia. Ouais, non, mais c'est Tomb Raider 2, c'est un super Tomb Raider. Mais je préfère le 3. Ouais, ok, super, merci. Ah ouais, par contre, le 4, là, je suis en train de le faire sur ma chaîne YouTube. Je vais pas faire de la pub, hein. Mais c'est vrai qu'il y ait... Le scénario, moi aussi, je trouve parfait, quoi. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Moi, je trouve que le scénario est super poussé dans Tomb Raider Angel of the Dark, mais ça, par contre. Ouais. J'irai chercher le troisième secret après, Matt. Elle est magnifique tout le temps, Lara Croft. Ouais, c'est vrai ça. Et vous vous en pensez quoi d'ailleurs des Tomb Raider nouvelle génération là? Ils font plus mal aussi. Je crois qu'il était mort. C'est lui qui a... Ah, c'est là-bas, je suis embarré. Bah je sais pas non plus, mais je sais qu'il a été très très critiqué par contre. Legend. Je parle le reboot, j'ai joué 2013 après... Je pense que je jouerai aussi au Rise, et puis je verrai bien. Rise apparemment s'apparente plus à un RPG qu'autre chose. Bon, ça, pourquoi pas, hein. Bah, je pensais aussi, pareil que toi avant. Et en fait, à force de jouer, là, tu te dis, bah, en fait, c'est pas des si mauvais jeux que ça, quoi. Je trouve dommage qu'ils aient fait l'anniversary entre Legend et Underworld. Parce que Legend et Underworld, ça se recoupe. Mais c'était bien. Alors, moi, j'ai bien aimé quand même. J'avoue. Ouais, après chacun ses goûts quoi, c'est ça le truc quoi.
Ouais, bah pour les 20 ans, ce serait pas mal. Pour les 20 ans, ce serait pas mal. Bah là, il y en a un qui est en cours. Mais c'est un particulier qui a fait ça. C'est avec, avec Tomb Raider Editor. Mais ça pourrait être pas mal. Non mais il y a un mec là qui est en train de le faire, c'est ça qui est pas mal. Mais il devrait sortir là dans le courant fin d'année 2016 apparemment. Donc pourquoi pas, hein? Mais bon après, ouais moi j'ai bien aimé Legend en tout cas. Après chacun ses goûts, c'est sûr que. Je sais pas vous dire quitter parce que vous aimez pas Tomb Raider Legend. Ouais, je sais pas comment il s'appelle, mais j'ai vu ça il y a pas très longtemps. J'ai essayé la démo, c'est pas trop mal. Franchement, pour un indépendant, c'est vraiment bien quoi. Je sais pas combien de temps il a fait pour faire tout ça, mais c'est pour un indépendant. Il y a du. Putain, c'est vachement bien fait, je trouve. Vachement bien fait. Je vais pas prendre de risque, je vais enregistrer. Bon, on approche de la fin de ce live. Il va nous rester 1 minute 32 minutes. Tant que j'aille chercher le secret et que je tue les deux lanceurs de flammes. Ouais, mais c'est peut-être parce que Legend est multi-support. Personnellement, là, le Legend, je l'ai attendu sur Dreamcast et il est pas venu. Non, je rigole, hein, bien sûr. Ah, lui rentre dans le mur, lui carrément. Bon, c'est pas bien grave. Non, mais je sais, je sais. Ah mais TR5 qui est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. C'est dommage. Je pense que TR5 y avait vraiment du potentiel quoi. Mais je l'ai trouvé pas bon. J'ai préféré Legend au TR5, tu vois, pour te dire. Il y a des côtés sympas, je l'avoue, hein, dans TR5. Mais moi je l'ai trouver moins bon. Surtout en fait après le 4 quoi. Le 4 tu sors là, tu t'en prends plein la gueule quoi. Tu te dis wow, là il y a du taf et tout. Et je sais pas. J'étais encore un peu sur ma faim avec le 5. Enfin, dire que là il est pas bon, c'est pas vrai. C'est un bon Tomb Raider, mais. Ah bah. Moi je vais le refaire après mon let's play sur le 4.
Et voilà. Bon, bah, c'était Liroto pour ce live. Donc, dans le. Ouais, très dur terre, ça. Dans le live, donc, enfin, pour les niveaux sous la mer, donc dans le Maria Doria. Donc, voici le dernier niveau, le pont. Merci à tous d'avoir regardé. Vous étiez pas loin de 10 aujourd'hui. C'était très, très agréable, encore une fois. Donc, on se retrouve la semaine prochaine ou dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, j'ai quelques examens. Donc, on se retrouve soit fin de semaine prochaine, soit. Dans 15 jours. Donc, je vous tiendrai au courant, soit sur ma chaîne YouTube, soit de toute façon, vu que vous me suiviez, suivez tous, ça sera noté de façon sur vos boîtes mail. Et donc, on se retrouve très bientôt. Voilà, salut à tous, c'était Liroto. Bye bye. Et merci à tous aussi d'avoir commenté, c'était cool. Salut!